Alors, je m'appelle Vermeulen Sarah et je suis une jeune artiste peintre. Je suis chimassienne d'origine et maintenant je vis à Namur depuis quelques années. Au niveau technique, j'utilise principalement le clair-obscur parce que je retrouve cette dualité et ça me fait un peu penser au bien et au mal. Et même si jamais je traite des sujets qui sont assez sombres, je laisse une grande place à l'espoir dans mon travail parce que souvent mes sujets sortent de l'ombre et entrent dans la lumière. Donc même si jamais c'est assez torturé, il y a toujours un grand message d'espoir dedans. En grande partie, d'interroger les gens, le spectateur, de les mettre face à des choses qu'ils n'ont pas envie de regarder, des choses dans la rue quand on croise quelqu'un qui est difforme, etc., on aura tendance à baisser le regard. Et moi, justement, j'ai envie d'obliger quelque part les gens à regarder cette mocheté qui existe dans notre monde et qui fait partie de ce monde et qui a sa place et qui doit être regardée comme toute autre chose. Au niveau de ma technique, avant de peindre, je fais beaucoup des dessins préparatoires et j'utilise principalement le fusain parce que je retrouve cette dualité entre l'ombre et la lumière et il y a ce jeu de subtilité, de flou, c'est très aérien le fusain et c'est ça que j'apprécie beaucoup là-dedans. Et en plus, on peut jouer avec la gomme, c'est pas simplement un matériau qu'on utilise, il faut utiliser le papier, le fusain et la gomme. C'est tout un ensemble et c'est ça que j'apprécie dans cette technique. Ce que je fais aussi, c'est que j'utilise beaucoup l'encre de Chine. Par exemple, je m'inspire pas mal de Munch dans sa partie gravure parce qu'il y a aussi cette dualité et on retourne à l'essentiel de l'ombre et la lumière. Pourtant, c'est le trait, la plume et le noir et blanc. On est obligé de rentrer dans une démarche où on doit avoir la finalité de ce qu'on veut faire dès le départ. Et c'est ça que j'apprécie dans l'encre de Chine. C'est l'humain, moi, qui m'intéresse, c'est l'humain qui m'inspire dès le départ. Même si jamais je travaille par la suite avec des photographies et tout ça, je démarre toujours de quelque chose que j'ai vu, que j'ai croisé. D'ailleurs, j'adore me poser toute seule sur un banc et regarder les gens. C'est ce qui m'intéresse le plus. M'imaginer s'ils ont 3 enfants, s'ils sont mariés, qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont au travail, s'ils sont pressés, s'ils sont pas pressés. Et c'est tout ça qu'après, je vais essayer de retranscrire dans mes peintures. Disait, si nous pouvions le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le peindre.